très très heureux. Je suis très très fier de signer à l'Atlético. C'est pour moi vraiment fantastique. C'est un très 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 grand club avec une grande histoire. Donc je suis vraiment ravi et j'ai hâte de découvrir un petit peu toute l'ambiance de l'Atlético. L'ambiance de l'Atlético, je la connais derrière la télé, forcément, parce que j'ai jamais eu l'occasion de venir voir un match ici. Mais là, de faire partie de l'équipe, d'être sur le terrain, je pense que ça va être quelque chose d'incroyable. Avec le Covid, les supporters n'ont pas forcément pu assister aux rencontres l'année passée. Et là, ça va être, je pense, quelque chose d'encore plus grand. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est un coach que je respecte énormément par rapport à tout ce qu'il souhaite mettre dans le foot par rapport à son envie. On voit que c'est un coach très actif qui joue beaucoup avec ses joueurs, qui coach énormément. Et il y a une passion qui est, je pense, propre aussi à lui et qui fait l'identité de l'Atlético. Et c'est quelque chose dont moi je me retrouve aussi dans ce que j'aime du football. Ben, c'est vrai que pour l'intégration, c'est toujours plus facile. Surtout on change de pays, comme ça, qu'il y a une nouvelle langue. Un nouveau club, des nouveaux partenaires, c'est bien plus facile. J'ai la chance de connaître un petit peu Thomas en sélection. Geoffrey, je connais parce que voilà, je suis énormément aussi les joueurs français. Et puis Yannick, j'ai déjà joué contre lui quand il était à Monaco. Et les trois sont aussi de Monaco. Donc non, ça va être plus facile pour moi pour l'intégration. Et après, à moi de bien prendre des cours d'espagnol pour vraiment m'intégrer le plus vite possible avec toute l'équipe. Black, c'est l'un des plus grands gardiens au monde. Il n'y a même pas de débat dessus. Et de pouvoir travailler avec lui au quotidien, ça va être quelque chose pour moi de très bien. Pour ma progression, ça va être bien aussi de challenger, de voir de ce que je suis capable aussi et de pouvoir apporter, si besoin, mes capacités à l'équipe. Mais quand on a l'Atlético qui fait appel à vous, c'est quelque chose de grandiose, et notamment avec tous les grands joueurs qu'il y a dans cette équipe. L'Atlético, c'est un état d'esprit particulier que moi j'affectionne particulièrement. Le style de jeu, les supporters, le stade, maintenant c'est aussi un nouveau stade, mais avec une atmosphère qui est vraiment, vraiment bonne. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça le plus rapidement possible. C'est vraiment fantastique. Il est simple, travailleur et beaucoup d'envie. Je viens ici vraiment avec beaucoup d'envie pour apporter aussi ma joie de vivre et mes capacités pour aider du mieux possible l'équipe. Aupa Atlético.